Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sous la canopée, ici Monsieur Green. Après ce week-end d'engouement consumériste avec le Black ou le Block Friday, revenons à une certaine réalité climatique. En décembre 2018, à Katowice en Pologne, avait lieu la COP24. Que s'est-il passé sur l'année 2019 écoulée et comment pouvons-nous envisager la COP25 qui aura lieu du 2 au 13 décembre à Madrid, en Espagne? Pour vous resituer et entrer dans le décor, depuis la fin de la COP21 et l'entrée en vigueur de l'accord de Paris en 2015, les COP s'enchaînent et les COP se ressemblent. Pourtant, le réchauffement climatique, lui, s'amplifie chaque année. Une fois de plus, donc, du 2 au 15 décembre 2018 à Katowice, les enjeux étaient présentés aux États, mais peu relevés. Les trois axes de travail étaient respectivement acter une relève de l'ambition des engagements des États à 2020 pour l'horizon 2030, finaliser un cadre réglementaire d'application de l'accord et renforcer la solidarité entre les pays. En fin de première semaine, les négociations sur les trois projets ont péniblement accouché d'un accord tiède et loin d'être à la hauteur. Un journaliste du site Reporter mentionne le sentiment des pays souffrant le plus du réchauffement comme un uppercut dans l'estomac. Le grand déni a été celui de refuser d'accueillir favorablement le dernier rapport du GIEC de l'époque qui préconisait aux États de diviser par deux leurs émissions carbone d'ici à 2030 pour ne pas dépasser les 1,5 degrés de réchauffement. Jennifer Morgan, la directrice de Greenpeace International, a qualifié de choquant une telle attitude de la part des États. Cette COP a permis cependant de mieux observer les oppositions mondiales et le fort impact du système économique dans le verrouillage de l'action. Les petits pays insulaires, victimes du réchauffement, ont accueilli avec intérêt le rapport, alors que les nations pétrolières comme l'Arabie Saoudite, le Koweït, la Russie ou encore les États-Unis s'y sont opposées fortement. Le capitalisme, essentiellement basé sur la consommation d'énergie fossile, est l'entrave aux changements nécessaires pour se confronter réellement au réchauffement planétaire. Bien évidemment, la France a brillé par son absence à cette COP, puisque le président Macron comme son premier ministre Édouard Philippe n'y ont pas mis les pieds. François de Rugy, alors ministre de la Transition écologique et solidaire, n'y est resté qu'une semaine, laissant sa place à Brune Poirson, sa secrétaire d'État, qui à son tour est partie avant la fin des débats. Aux efforts demandés de rester en dessous des 2 degrés de réchauffement, nous savons depuis peu par une étude scientifique que c'est désormais impossible. D'ailleurs, en 2019, les émissions de gaz à effet de serre sont toujours à la hausse au niveau mondial, avec ce chiffre, 147% du niveau pré-industriel de 1750. La menace est partout. Tout d'abord les forêts. La Californie, l'Amazonie, l'Australie et la liste est longue. Aux quatre coins du monde, les forêts brûlent, soit par la volonté de l'homme pour l'agriculture ou encore l'extraction, ou encore de grands projets inutiles, par exemple, soit par simple réchauffement, qui désormais ressemble à une allumette attendant sa petite étincelle. En Californie, sur les 10 ans de feux réguliers, plus de 65 000 hectares ont été ravagés, dont près de 20 000 bâtiments et une ville entière nommée Paradise. Coût pour les assureurs, 16,5 milliards de dollars, du jamais vu. En Australie, en quelques semaines, plus de 1000 koalas ont été victimes des incendies qui ont ravagé environ 1,6 million d'hectares. Étant un animal très peu rapide, contrairement au kangourou, il est piégé par les flammes. La sécheresse a condamné de nombreuses récoltes à travers le monde et tue littéralement les forêts en Europe, comme par exemple la ligne bleue des Vosges. Les résineux, par manque d'eau, ne disposent plus de l'énergie nécessaire pour remonter la sève dans tout l'organisme. Quelques chiffres. En 2016, on abattait 1000 mètres cubes d'arbres morts. En 2018, 2000 mètres cubes. 8000 mètres cubes sont attendus pour décembre 2019.
Mais la sécheresse ne s'arrête pas là. Elle agit également sur la roche. Dans les Alpes, le mont Holland perd une partie de sa face nord. Entre juin et juillet dernier, 60 écroulements ont été signalés. Cela suppose des risques majeurs pour les populations habitant près des reliefs dans les décennies à venir. Le GIEC nous l'explique très simplement, une montagne n'est pas un désert, la masse rocheuse très élevée peut s'avérer être un réel danger. Les fortes chaleurs ont également asséché de nombreux cours d'eau, permettant d'entrevoir une pénurie mondiale de l'eau. Le 28 juin, à Vérargues dans l'Hérault, il a fait 46,2 degrés. Un mois plus tard, les habitants de Madras en Inde échappaient de peu au zero day, c'est-à-dire le jour où aucune goutte d'eau ne sort du robinet. L'augmentation de la température globale va engendrer des périodes dites « létales pour l'homme », c'est-à-dire des périodes où le corps humain sera en incapacité de survivre. Et qui dit chaleur, dit métamorphose de la glace en eau. Le 18 août 2019, l'Islande voit Öjökull, un glacier de 12 km au début du siècle, complètement fondu, formant une mélasse devenue inerte. Cette fonte massive des glaciers à travers le monde s'accélère, comme le Groenland et l'Antarctique, dont les calottes ont perdu chaque année environ 430 milliards de tonnes de glace. Et qui dit eau déversée, dit augmentation du niveau de la mer. 84 cm de montée en tablant sur du 3 à 4 degrés d'ici 2100. De nouvelles études datant d'octobre et publiées dans le New York Times nous informent que l'élévation du niveau de la mer a été sous-estimée et que de nombreuses villes à travers le monde vont être confrontées à des montées des eaux menaçantes pour les populations, semant pénurie et migration. Les études publiées sur le réchauffement nous parlent bien d'événements extrêmes et soudains de plus en plus fréquents. Aussi, la forte chaleur laisse désormais place aux fortes pluies et inondations, comme dans le Var, récemment provoquant également des mouvements de terrain. Si en tant qu'humains, nous commençons à subir des contraintes liées à la survie, chez les animaux, c'est l'hécatombe. 1 million d'espèces risquent l'extinction. Les insectes subissent une perte majeure. Selon Robert Watson de la plateforme sur la biodiversité, l'IPBES, nous sommes en train d'éroder les fondements même de nos économies, nos moyens de subsistance, la sécurité alimentaire, la santé et la qualité de vie dans le monde entier. Dans le même temps, depuis 2018, le pétrole est redevenu le support d'énergie le plus subventionné au monde, avec 400 milliards de dollars de subventions, soit 4 Bernard Arnault. Un grand manquant également dans l'accord de la COP24 est la reconnaissance des droits humains face au réchauffement. Sommes-nous tous égaux en tant qu'êtres humains? La réponse est oui. Nous avons tous les mêmes besoins vitaux qui sont aujourd'hui mis en grand danger par le réchauffement et l'activité de l'homme. Les droits humains, comme les droits de la nature, doivent aujourd'hui être définis et légiférés pour contraindre les intérêts financiers à servir l'humanité et non à la détruire. Si au niveau politique et économique on se permet de conserver ses œillères, au niveau social, le climat est dans la rue. Car 2019 a tout particulièrement été inédite en nombre de contestations. Si nos élus n'ont pas à cœur de prendre à charge notre avenir climatique, humain et donc social, d'autres y mettent énormément de cœur et de voix. Si je vous dis Greta Thunberg, la jeune militante suédoise qui appelle tous les écoliers du monde à faire grève pour le climat le vendredi, ou bien encore les nombreuses marches pour le climat à travers la planète et de manière régulière tout au long de l'année, mais c'est aussi les youtubeurs comme De Partager C'est Sympa qui nous informent, la pétition Notre Affaire à tous qui a rassemblé plus de 2 millions de signatures pour dénoncer l'inaction climatique du gouvernement Macron. C'est plus de 160 portraits du président qui ont également été décrochés dans les mairies pour dénoncer une fois de plus son inaction. C'est des maires qui prennent des arrêtés anti-pesticides pour protéger leur population. 2019 a aussi été témoin de l'arrivée d'Extinction Rébellion en France. La société civile s'empare du sujet et prend conscience du danger et des enjeux à venir qui dépassent amplement notre conception de la vie humaine au niveau économique. Mais 2019 ne s'arrête pas là, pas à la vitrine médiatique de notre pays. À travers la France, de nombreuses luttes sont en cours contre des projets inutiles, contre la pollution, contre la dégradation de la nature, contre la précarité, contre tout ce qui touche à nos biens communs, qui nous rendent plus solidaires et que nous devons impérativement préserver dans ce contexte climatique incertain. Je crois que nous avons tous ce goût amer d'un monde en décrépitude physique et intellectuelle, mais l'espoir nous est permis grâce à toutes ces initiatives collectives.
D'ailleurs, vous pouvez retrouver une carte interactive des mouvements et luttes à travers la France sur le site Superlocal. Mais la transition 2019 se vit également au quotidien, puisque nous modifions progressivement nos comportements. Nous ne voyons plus le système actuel tel qu'il nous a été vendu, comme un espace confiné de jouissance perpétuelle, mais une incertitude mondiale qui nous demande de sortir de nos individualismes et bouscule notre zone de confort. Nous voyons autour de nous des COP, des associations, des citoyens qui s'organisent et se préparent. L'autonomie locale est de plus en plus sollicitée et c'est une bonne chose. Cultiver son jardin sous toutes ses formes n'a jamais été autant d'actualité. En ce qui concerne la COP25, j'aurais souhaité vous en parler davantage, mais excepté les trois actes de travail que voici, réduire drastiquement les émissions du côté du G20, lutter contre les inégalités qui vont de pair avec la lutte contre le réchauffement climatique et encadrer de manière stricte les marchés carbone qui vont être créés, rien ne fuite, et surtout rien n'est médiatisé. Alors que l'enjeu mondial de notre humanité se fait à huis clos avec tous les États du monde, ou presque, n'oublions pas notre cher Trump, eh bien nous sommes focalisés sur toute autre chose. Pourtant, toutes les tensions actuelles ont pour cause initiale les changements majeurs pour l'économie mondiale que suppose le réchauffement climatique et notre activité sur Terre. Pour conclure, le bilan des dernières COP se résume en un refus concret des États à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre pour préserver une croissance qui vivote, mais c'est aussi de ne pas contribuer financièrement au rééquilibrage des dégâts subis par les pays du Sud, et enfin légiférer pour préserver nos biens communs, ainsi que la biodiversité dont nous dépendons. Constatant ce néant d'initiative, je n'ai que peu d'euphorie à attendre l'ouverture de la COP25 à Madrid. Par contre, je suis très enthousiaste face à l'énergie et l'inventivité humaine déployées cette année pour amorcer ce changement nécessaire. Aussi, continuons. Alors, COP ou pas COP? C'est tout pour aujourd'hui. Excellente semaine à toutes et à tous. C'était Monsieur Green. Fin de la retransmission. Comment c'était? C'était un pur, absolument délire. J'ai trouvé ça. Quoi, Green? Oui. Green, comment? Oh, super Green. Aussi Green que ça peut être. Green, la puissance des Green, tu vois? Mais tu vois le Green, absolument. Green.